Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anthrax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec les 4 combats des boss Frigost 3, en fait des 4 sbires que j'ai réalisés avec la Team Succès version 2. Donc voilà, c'est la suite un petit peu des vidéos avec la Team Succès version 2 que j'ai pas continué depuis un petit moment et que je souhaitais reprendre enfin pour terminer en fait les petits donjons qui manquaient. J'ai décidé de mettre les 4 sbires ensemble afin de vous faire une vidéo qui regroupe les 4 donjons les plus simples de Frigost 3, puisque le donjon compte aura droit à sa vidéo seul et les 4 doubles boss ont aussi droit à leur vidéo séparément les uns des autres. Là, ça vous fait une grosse vidéo avec les 4 boss plutôt que 4 petites vidéos de 5 minutes chacune. Voilà, comme ça, vous avez une seule grosse vidéo pour l'ensemble des vidéos, enfin des combats de Frigost 3. Voilà, donc pour les premiers combats, j'utilise les mêmes idoles, hein, que ce soit pour Mrs. Freeze, que ce soit pour le Nilesa ou bien encore pour le Klim. Par contre, pour le Sylarg, je suis obligé de jouer avec des idoles bien différentes, notamment avec le Bobble et le Butor. Et en fait, je souhaitais utiliser les Bobble pour retuer en fait le Sylarg beaucoup plus facilement. Mais j'ai pas réussi, c'est pour ça que j'ai perdu le SRAM. Sinon, le combat aurait été extrêmement simple et j'aurais one-shot le Sylarg. Des fois ça marche, des fois ça marchait pas. Voilà, j'ai voulu faire un truc propre, ça a pas marché, le SRAM est mort et puis voilà. Mais comme vous pouvez voir dans les différents tentacles, que ce soit notamment en Mrs. ou en Sylarg, les donjons sont assez bidons, donc c'est pour ça que je me permets de perdre un perso et que ça ne me gêne pas en fait. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne Anthrax Replay ou encore à me suivre sur Twitch. Je live très régulièrement, notamment ce samedi. Donc on aura un petit live nocturne pour le petit samedi 24 juillet, une nocturne sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer. Voilà, sur chez Anthrax Replay, il y a les replays de chacun de mes lives 2 jours après l'apparition en live. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, c'était Anthrax. Ciao tout le monde.